podcast, ça s'enregistre, c'est le podcast, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci de nous retrouver donc pour un nouveau podcast, ce jour. Oui, on est là et merci de diffuser l'info. Oui, c'est une info importante. Bonjour même. Bonjour Mireille. Bonjour la room. Les rooms, on est sur des lives Twitch, Periscope, Twitter, YouTube. On va donc parler de Clearview. C'est important puisqu'on parle régulièrement de reconnaissance faciale dans mes sujets. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette start-up. Oui, Cibiste, merci, c'est sympathique de me dire ça, ouais. C'est cela, oui. Myriam, bonjour. Oh, tiens, t'es badgé, Myriam, comment ça se fait? Alors, je vous remercie de passer sur ce podcast. On est avec une start-up, apparemment. On est avec un gros dossier sur le New York Times, une enquête. On parle d'une enquête. À Nice, c'est déjà fait. C'est-à-dire, Mireille, tu viens de Nice, tu nous parles de cette reconnaissance faciale qui s'est installée dans ta ville. Alors, on est avec un New York Times qui a publié une enquête sur une entreprise, donc, une start-up, et qui donc a récupéré, a discrètement copié des milliards d'images publiées sur les plateformes sociales les plus courantes du monde occidental. Je lis ça sur Le Monde. Il y a différents articles qui sont tombés récemment pour en parler, et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Mireille, tu nous dis oui, à Nice, la reconnaissance faciale. Il faut le savoir, en France, il y a beaucoup de caméras de surveillance, et de nouvelles caméras, haute définition, dotées de tout ce qu'il faut pour savoir qui vous êtes, de plus en plus en tout cas. Donc, vous avez une start-up, Clearview, qui a donc récupéré sur vos profils Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, sur différentes plateformes, vos photos. Elle a constitué une gigantesque base de données. Elle a même installé un moteur de recherche pour ce qui concerne la reconnaissance faciale. Et elle propose ses outils à la police américaine. Donc on peut vous identifier, on peut identifier en tout cas des suspects et même des témoins. La Sherazade, good morning. Merci de nous récupérer sur un podcast qui s'enregistre, se retrouve sur le Bonjour la Base, disponible, available sur SoundCloud, Spotify et l'Apple Podcast. Donc c'est actuellement, la Sherazade, un article dans The New York Times. Ils ont titré The Secretive Company That Might End Privacy As We Know It. L'entreprise secrète qui va donc supprimer la vie privée telle que nous la connaissons. C'est un petit peu ça, c'est complètement ça pour la précision de ce titre dans le New York Times. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est possible. Récupérez le lien proposé sous la vidéo également. Bonjour Léon, on parle de vie privée. Alors, vous avez une proposition pour 600 entreprises et agences gouvernementales. La base de données qu'ils ont mise au point, 3 milliards, on parle de 3 milliards de contenus, 3 milliards de photos. Vous avez cette possibilité pour 600 entreprises et agences gouvernementales, pour la police américaine. Vous avez également quelque chose d'assez énorme, je vais vous le dire. Clearview travaillerait sur un prototype fonctionnant de pair, un prototype de leur intelligence artificielle, fonctionnant de pair avec des lunettes de réalité augmentée, qui permettrait à un policier équipé de déterminer quasiment en temps réel l'identité d'une personne présente dans son champ de vision. Ça me fait penser à ce qui se passe déjà en Chine avec des policiers équipés de lunettes. Le futur, peut-être bientôt présent, dans un présent, pas tellement le futur, on va dire, on pense souvent au futur, ça va se dérouler quand on sera mort, pas du tout, tu seras toujours vivant, ami public. Le futur, à court terme, c'est peut-être donc la possibilité pour certains policiers, peut-être plus qu'en Chine, aux États-Unis, d'avoir des lunettes, avec une présentation de contenu dans leurs lunettes, pour savoir qui se trouve face à eux, en temps réel. Christine, bonjour. Pascal, bonjour. Elysium. Donc on est sur une proposition, sur une volonté de proposition en temps réel. Quand ça concerne des lunettes avec une réalité augmentée, ça va permettre à certains policiers de savoir qui se trouve devant eux.
non pas d'aller appeler le central ou de faire des recherches sur leur ordinateur dans un fichier pour savoir si vous êtes fiché, mais d'avoir directement devant leurs yeux la réponse à leurs questions. Bonjour Nicolas, merci de nous récupérer à partir de Twitch. On est sur un scandale, entre guillemets. S'agit-il véritablement d'un scandale avec Clearview, une start-up qui propose ses services à 600 entreprises et agences gouvernementales? Ça pose problème. Vous savez pourquoi? Cette entreprise et cette intelligence artificielle, Clearview AI, elle est financée en partie par un monsieur qui s'appelle Peter Thiel. Il est actionnaire de Facebook. Il siège au conseil d'administration de Facebook. Ils ont récupéré chez Clearview également pas mal de photos de cette plateforme, la numéro 1 au monde. Et on parle donc d'une base de données qui a été constituée de manière illicite, qui contient des milliards de photos sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, sans respecter les conditions d'utilisation de ces plateformes en ligne. Ils ont siphonné les plateformes en ligne pour récupérer vos photos, pour ensuite créer cette immense base de données qu'ils utilisent désormais, depuis un certain temps, pour vendre leurs services, je le répète, à ces entreprises et ces agences gouvernementales, au nombre de 600, avec la police américaine qui peut savoir qui vous êtes rapidement. Myriam, tu nous dis, donc les films du passé sont très révélateurs. Ça serait sympa d'avoir ces lunettes pendant un entretien d'embauche. Pascal, la CNIL en France n'autorisera pas cela, enfin j'espère. Ce qui se passe en France avec la CNIL ou la quadrature du net, ils se posent des questions, ils refusent, ils ne veulent pas, mais vous avez quand même des outils qui s'installent comme Alice M, l'application en bêta, un peu comme sur une forme de prototype sur Android, qui va permettre de vous authentifier par la reconnaissance faciale. Ils n'en veulent pas, ça ne dépend pas forcément d'eux. Ils peuvent refuser, mais peuvent-ils l'installer? Malgré le refus. Tout ça fait partie du nouvel ordre mondial, Myriam. Vous qui passez, vous qui êtes sur ces différentes plateformes, on est sur des lives Twitch, Periscope, Twitter, YouTube, c'est le podcast qui va bien. Chaque jour, 13h30, 14h15, pour un nouveau sujet qui concerne souvent la tech, bien sûr. Alors, chez Facebook, ils ont dit, la collecte de données issues de Facebook et leur ajout à un annuaire sont interdits par nos politiques. Nous examinons donc les réclamations concernant cette entreprise et prendrons les mesures appropriées si nous constatons qu'elle enfreint nos règles. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je voulais vous dire autre chose, évidemment, il y a beaucoup de choses. On est sur une entreprise qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle Oan, Hoan, Tonta. Owen Tonta, il a 31 ans, et pour faire fonctionner leur Clearview AI, leur outil, leur algo, ils ont donc récupéré des milliards d'images. Je vous reprécise, on en a parlé, Facebook, LinkedIn par exemple, pas mal de photos sur Instagram, Twitter. Là, Sherazade, tu nous dis, on met pas de photos sur nos CV, vous faites toujours ça en France, si ou facile, on upload la photo et on peut vous trouver même sur les photos. Oui, les CV, oui, on met pas de photos sur les CV, oui. Alors, tu nous dis, Christine, il le faisait déjà. Non, Caroline. Il faut le savoir, la reconnaissance faciale s'installe en France. Vous êtes là? Je vous reçois. Oui, je suis là, je suis là. C'est le podcast qui s'enregistre. Vous êtes obligé. Non, pas du tout. On n'est pas obligé. Vous pouvez vous authentifier, me dire d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous faites. Ça bug? Ah, bah, si ça bug, c'est la vie qui veut ça. Si ça bug, c'est normal. Alors, voilà, les utilisateurs, c'est le New York Times qui l'explique. Les utilisateurs de Clearview peuvent potentiellement identifier de la sorte toutes les personnes qu'elles ont vues. L'outil pourrait être utilisé pour identifier des militants dans des manifestations ou aussi donc des inconnus dans le métro, ne révélant pas seulement leur nom mais aussi leur lieu de vie, ce qu'ils ont fait précédemment et quelles sont leurs fréquentations. Voilà. C'est-à-dire, on sait qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez fait, tout ça. Évidemment qu'on peut lier différentes bases de données et peut-être aussi lier tout ça à une analyse du comportement. Alors, il y a quelque chose qui m'a intéressé, je l'ai lu. Vous avez des policiers qui utilisent cet outil et vous avez la possibilité de reconnaître des personnes même quand elles ont des cagoules.
Elles sont masquées en partie. Vous avez un grand degré de précision. Alors, le dispositif a un fonctionnement très simple. Vous prenez une personne en photo. Vous téléchargez l'image et vous pouvez alors consulter des photos correspondantes de cette personne ainsi que les sites d'où elles proviennent, ces photos. L'outil de recherche repose sur l'existence d'une base de données regroupant 3 milliards de photos, aspirées par exemple depuis Facebook, YouTube principalement. Chaque photo prise donc est téléchargée agrandit la base de données. Et pour pouvoir utiliser l'outil, il faut donc s'inscrire avec un formulaire assez classique. Et on est donc avec une entreprise qui travaille avec des entreprises privées et gouvernementales. Et l'entreprise spécifie la technologie de Clearview à aider les forces de l'ordre à traquer des centaines de criminels en général, notamment des pédophiles, des terroristes et des trafiquants sexuels. Tu nous dis pas que sur Facebook, Thiel a procédé à de nombreux investissements précoces dans des startups, dont Slide, LinkedIn, Friendster, Palantir Technologies, Ironport, Slide et PayPal. Donc on peut penser que le monsieur qui a fait naître cette startup a récupéré, ou de ses équipes ont récupéré des photos qui proviennent également de ces plateformes, réseaux sociaux que tu viens de citer. C'est un petit peu ça, quoi. Que fait la CNIL? La CNIL, c'est en France. Là, on est sur un sujet américain pour l'instant. Alors, les forces de l'ordre américaines utilisent cet outil. Elles ont déjà utilisé Clearview pour résoudre des affaires de vol à l'étalage, de vol d'identité, de fraude par carte de crédit, de meurtre et d'exploitation sexuelle des enfants. Et vous avez aussi Clearview qui affiche un témoignage d'un policier canadien spécialisé dans les crimes sexuels qui dit, je cite, Clearview est de loin la meilleure chose qui soit arrivée pour aider les victimes au cours de ces 10 dernières années. En une semaine et demie d'utilisation, nous avons procédé à 8 identifications de victimes ou de délinquants. Je vous remercie de votre participation ce jour. France, tu nous dis, ça fait des années que je dis qu'il ne faut pas mettre votre vie sur le net. Photos, vacances. Caroline, est-ce que c'est déjà en place en France, tu me demandes? Cet outil? Il s'agit d'un outil qui est vendu à des entreprises. C'est global, c'est mondial. Je peux pas savoir, j'ai pas la news si elle vend ces outils aussi en France. Il y a un site. Il faut aller consulter ce site. Mais je vais vous récupérer le lien du site pour vous positionner sous cette vidéo. Et également l'article du New York Times qui est assez important. Le plus réjouissant. D'accord. Bon, on reste concentré sur le sujet, s'il vous plaît. Alors, vous avez donc apparemment des experts sollicités par le New York Times qui sont unanimes. Un outil qui pourrait s'avérer très dangereux. Les possibilités de militarisation sont infinies. Imaginez un gouvernement étranger qui l'utilise pour creuser des secrets sur les gens, pour les faire chanter ou les jeter en prison. Et une autre personne qui dit, nous n'avons aucune donnée pour suggérer que cet outil est précis. Plus la base de données est grande, plus le risque d'identification erronée l'est aussi. Il parle d'une énorme base de données de personnes qu'ils ont trouvées au hasard sur Internet. Enfin, au hasard, le hasard n'existe pas. Ils sont partis récupérer ces données sur différentes plateformes. S'il s'agit de LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, on n'est pas sur des plateformes prises au hasard, justement. YouTube, plus de 2 milliards d'utilisateurs. Facebook, plus de 2 milliards et demi. 2 milliards d'eux. Myriam, tu nous dis, moins vous mettrez de selfies de vous partout, mieux vous vous porterez. Bonjour mécanique, bonjour vous tous, n'hésitez pas, il est possible donc de me proposer vos commentaires, vos réflexions pour un sujet qui est absolument important. On est peut-être donc vers la fin, on se situe peut-être bientôt vers la fin de la vie privée, oui. Alors, qu'est-ce qui peut se passer en France? En France, on en a parlé tout à l'heure, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, elle pourrait nous protéger. Pourrait-elle nous protéger? On peut se poser la question. Peuvent-ils en amont régler les problèmes, alors qu'en général, la CNIL vous dévoile ce qui peut se passer, comme avec l'histoire d'Alice M, l'application proposée sur Android, qui permet, à l'aide de la reconnaissance faciale, de se connecter à des sites gouvernementaux français.
Et la CNIL a récemment donc publié des articles, s'est récemment donc exprimée pour dire ce qu'elle pensait d'Alice M. Il faudrait, elle a expliqué, que nous puissions, nous en France, nous connecter sans l'aide de cette reconnaissance faciale, sans être obligés de passer par cet outil. Pourquoi scandale des citoyens et associations portent plainte? Nos algorithmes nous repèrent déjà. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Qu'est-ce qui m'a fait retomber ou... On est parti avec une base de données gigantesque de 3 milliards de photos publiques. Quand on dit photos publiques, ce sont des photos que vous avez positionnées sur vos réseaux sociaux, hein. Après, on peut se poser des questions quant à Facebook, quand généralement Facebook pose problème, ces différents scandales où des photos ont été récupérées, ou même du texte par rapport à des entreprises qui avaient accès à telle ou telle chose, telle et telle partie de Facebook. Les experts s'inquiètent des dérives possibles de l'utilisation de son application et des risques d'identification erronée. Oui, parce qu'il y a entre chefs d'État et pays plus besoin d'armées de guerre avec beaucoup de victimes innocentes, il suffira de les faire chanter. Farès, il fouille les phones comme il veut déjà. Oui, en France comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme au Japon, il suffit d'avoir, comment dire, de suspecter dans un cercle privé, plutôt dans une zone précise, dans votre quartier, chez vos voisins, un terroriste. Si la police sait... suppose qu'il y a donc un terroriste parmi vous, pas forcément chez vous, mais dans votre entourage, proche, dans votre quartier, ils peuvent cibler une zone pour récupérer de l'information sur votre téléphone, pour supprimer cette information, parce que vous êtes suspecté également dans la même zone. Donc c'est légal, des choses qu'ils pouvaient faire auparavant qui n'étaient pas légales, qui sont devenues légales, pas simplement en France, hein, dans différents pays modernes, vous avez la possibilité... de supprimer à distance tout un contenu ou tout contenu sur votre téléphone, et pour vous, l'utilisateur final, vous n'avez aucun moyen de vous retourner ou de porter plainte puisque c'est légal. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, en ce qui concerne vos photos, il ne s'agit pas de récupérer vos photos dans vos téléphones. Vos photos, elles sont sur vos réseaux sociaux en ligne avec un outil qui aspire ces photos. On est avec une application qui est réservée à un usage professionnel. On parle de 600 forces de police et entreprises, notamment aux États-Unis et au Canada, qui utilisent déjà ce système. On est avec une application qui fonctionne avec un moteur de recherche, des photos qui ont été enregistrées dans cette base. Et évidemment, logiquement, on est avec un moteur de recherche associé. C'est bien d'avoir 3 milliards de photos, mais si vous ne savez pas où chercher, c'est compliqué de retrouver telle ou telle photo, d'en rajouter pour la faire matcher avec des photos déjà enregistrées. On est avec un moteur de recherche très spécifique, comme un Google, si vous voulez. Alors, je vous lis, vous y êtes, je suis là, on est sur différentes plateformes, les commentaires s'affichent sur la droite. Thomas, tu nous dis, est-il possible que tu aies fait une mauvaise manip? Je peux pas te dire, on en reparle tout à l'heure en tout cas. Vous pouvez m'envoyer des messages sur mon Twitter si vous voulez, pour qu'on puisse en parler si vous avez des soucis pour entrer dans la section membres de YouTube. Ton fils est au courant de tout ça. Il vient d'activer la reconnaissance faciale sur son téléphone. Il me dit, c'est déjà partout. S'il vous plaît, communiquez avec vos enfants, avec votre famille. Ne faites pas comme cet ingénieur, cet abruti new-yorkais qui a vendu, peut-être son âme, sa photo, sa trogne, pour 5 dollars, pour un bon de 5 dollars. Il a dit, mais Google sait déjà tout de moi, donc un petit peu plus, un petit peu moins. Le type, il a vendu sa vie pour 5 dollars, pour un bon, pour acheter un café. Il était content, il a bu son café, il a vendu sa photo pour 5 dollars, et il est ingénieur. Je ne sais pas pour... Bah, peut-être c'est parce qu'il est ingénieur. Je ne veux pas taper sur les ingénieurs, ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas parce que c'est partout qu'il faut donc... activer la reconnaissance faciale sur son téléphone. Pensez que je l'ai fait? Nicolas, surfer sur Internet, c'est comme aller dans la rue, c'est public. Il ne s'agit pas d'activer la reconnaissance faciale parce qu'elle est partout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous êtes d'accord. Ok, on y va. Ils savent déjà. Alors, l'ingénieur à New York,
peut-être que ça faisait déjà 10 ans que Google savait tout de lui, mais pour les 50 prochaines années, il a dit ok, c'est bon. 5 dollars, 50 prochaines années. Le type, il est fort. Rosset, leur façon de faire est juste la technique de l'entonnoir commercial. D'abord, création de besoins illégitimes, ensuite dépendance à l'inutilité, et après, accord de la proie à participer du projet étatique. Donc, qu'est-ce que tu penses, Rosset? C'est un guet-apens. Guet-apens. On est coincé, on est enfermé dehors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la société, elle est située à New York. Elle a été fondée par un Australien, le monsieur que j'ai nommé tout à l'heure, Owen Tontat. Elle a été aussi fondée par Richard Schwartz, un ancien collaborateur du maire Rudy Giuliani. Vous avez aussi Peter Thiel, on en a parlé tout à l'heure, l'un des plus célèbres investisseurs de la Silicon Valley. Et vous avez une application qui pourrait être bientôt embarquée sur des lunettes de réalité augmentée pour ces policiers qui pourraient vous identifier rapidement sur le théâtre des opérations à l'extérieur pour une manifestation. Imaginez-vous, peut-être gilet jaune, dans un fichier, peut-être le fichier TAJ, des personnes recherchées. Vous avez des lunettes, vous savez qui fait quoi, vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui est déjà parti en garde à vue, quelqu'un qui a été pris pour telle ou telle action, et tout s'affiche dans vos lunettes. Vous avez donc devant vous plusieurs personnes, et chaque fois que vous voyez quelqu'un, un peu comme dans Terminator, le Terminator qui voit donc des individus avec un contenu qui s'affiche devant ses yeux. Vous êtes devenus des robots, vous avez donc cet outil, ces lunettes qui vous permettent de consulter des informations qui s'affichent devant vos yeux. Il s'agit des lunettes avec une réalité augmentée, c'est ça. Ces lunettes sont déjà utilisées en Chine par des policiers qui l'utilisent associés à une base de données. Ils sont connectés avec des lunettes avec un fil qui descend le long de leur corps et qui est connecté à un ordinateur, enfin en réseau, pour récupérer et faire matcher des photos pour savoir ce qui se trouve devant vous. Enfin, qui se trouve devant nous, vous, quel individu s'affiche. Léon, s'il te plaît, on ne parle pas de la base, on parle du sujet, on se recentre, on ne laisse pas donc de porte ouverte à tous ceux qui pourraient donc s'infiltrer, s'il te plaît. S'il vous plaît, vous pouvez récupérer le lien proposé sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Alors, je vous le dis, avec ce service, il devient possible d'identifier avec beaucoup de détails et à la volée n'importe quel passant dans la rue. Si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'avancée. Ça, c'est ce que nous savons. C'est une proposition. On n'est pas parti avec peut-être l'armée américaine, les 10, 20 ou 30 ans d'avance. On est avec des outils qui vont sortir. Proposition donc de ce qui se fait. On peut vous authentifier, identifier à la volée. Tiens, hop, là c'est lui, moi je le connais, j'ai déjà vu. Lui c'est bon, il peut passer. Lui pourra pas. J'ai parlé, Cadel, d'Alice M. Oui, puisqu'on a parlé de la CNIL, qui était un petit peu dérangée par la proposition d'Alice M, qui oblige tout un chacun à se faire reconnaître le visage, la reconnaissance faciale. Voilà. Donc on est sur un sujet qui concerne aujourd'hui Clearview, une start-up new-yorkaise qui travaille avec 600 agences gouvernementales, et même 600, on est parti avec des services de police, et qui fournit ces données à ces groupes et personnes pour qu'ils puissent vous authentifier, identifier dans la rue. Si vous avez déjà vu une vidéo YouTube qui s'appelle Sense Video, la rapidité avec laquelle les forces de l'ordre chinoises, plutôt les organismes de sécurité, vous identifient, c'est absolument phénoménal. En moins de 3 secondes et avec un degré de précision qui excède les 96%, on sait qui vous êtes. Moins de 3 secondes. Degré de précision extrêmement important. Ils ne lisent pas encore dans nos pensées. Pascal, il y a des IA qui font ça. Alors, j'en ai fait un sujet également. Il doit se retrouver dans la base de données. Bonjour la base, sur l'Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Pour ce qui est de lire dans vos pensées, c'est possible de le faire avec une certaine intelligence artificielle. Ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous voyez. Tout ceci sera de plus en plus possible par la suite, oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour celles et ceux qui passent, on est avec une application qui a glané, récupéré, aspiré plus de 3 milliards de photos publiques, notamment auprès de Facebook et YouTube, mais pas seulement.
des photos qui leur servent donc à vendre leur service, leur Clearview AI. Clearview, c'est pour mieux voir. Clear pour clair, view pour vue. C'est la claire vue, la vue claire par rapport à ces 3 milliards de photos et quelques qui ont été récupérées. Ça fait plus de 20 ans que vous mettez vos photos sur les réseaux sociaux. Et désormais, ces photos, vos photos servent à quelque chose. C'est du business. C'est cette possibilité pour bientôt des policiers américains, peut-être des policiers français, de vous regarder au travers de leurs lunettes de soleil, qui ne seront pas simplement des lunettes de soleil, mais des lunettes avec une réalité augmentée, et puis cette possibilité, dotée d'une reconnaissance faciale, de savoir qui vous êtes. Vous ne pourrez plus vous cacher. Et on parle de ceux qui sont cagoulés, avec une possibilité déjà, et puis on en a parlé, d'également vous identifier, parce qu'on peut, avec une intelligence artificielle, eh bien, savoir qui vous êtes, pour reformer le visage. On parle également de reconnaissance de mouvement, d'analyse du mouvement, de comportement. C'est-à-dire que même si vous voulez mettre la tête à Mickey, la tête du Père Noël, ça ne sert pas à grand-chose. On vous reconnaît avec votre démarche. C'est compliqué, on n'est pas dans un film de James Bond, de Jason Bourne. N'allez pas faire l'agent secret pour changer de démarche, changer de tête, ou pour le faire comme Superman dans une cabine téléphonique, ça va être compliqué. Alors, je vous lis. Dites-moi, est-ce que vous m'avez proposé quelque chose d'épatant que je peux lire pour le proposer dans le Bonjour la base, disponible dans l'Apple Podcast, le Spotify, le SoundCloud. Abonnez-vous, c'est possible, c'est rapide. Alors, dites-moi, est-ce que c'est mieux que 84, le meilleur des mondes? 84 d'Orwell, et puis aussi le meilleur des mondes, d'Huxley. Est-ce que quelque part, ça vous dit quelque chose, cette société? Cette sécurisation, la possibilité de traquer les terroristes. Alors, 600, on parle de 600 autorités publiques, des petites polices locales, on parle du FBI, on parle des États-Unis, on parle du Canada, on parle de l'Inde également. On parle de ceux qui utilisent l'application de reconnaissance faciale de Clearview AI. On est sur une entreprise qui a été créée en 2016. On parle d'une base de données de plus de 3 milliards d'images. On parle de YouTube, de Facebook, de Twitter, de toutes ces applications, ces plateformes, ces réseaux sociaux que vous utilisez. On parle donc de ces images qui sont reliées entre elles, assez similaires. On est sur un album de photos de personnes aléatoires. Chaque image est reliée à sa source. On sait d'où viennent ces images. Celle-ci, on l'a récupérée de Facebook. Celle-ci, on l'a récupérée de YouTube. On est avec ces personnes qui utilisent cette plateforme qui peuvent retrouver l'identité d'une personne, son adresse, s'il dispose d'une seule photo qu'il a lui-même prise. Alors on est sur Clearview qui dispose d'un moteur de recherche, une sorte de Google Images surpuissant qu'elle a nommé Smart Checker. Elle le commercialise uniquement aux forces de l'ordre pour l'instant, mais n'exclut pas de le rendre accessible au public. Bah c'est logique, c'est sympathique. Je vous retrouve tout de suite, ne bougez pas. Que se passe-t-il? C'est plus possible. Allez hop. Bon, pour tout un chacun, c'est compliqué. Pour ce qui me concerne, j'aimerais bien qu'on vous puissiez rajouter mon arrobase, mon prénom et mon nom, mon réservoir apps sur l'image. Si vous l'avez déjà enregistré, ma photo, dites où tout un chacun peut me retrouver tous les jours. Ça ne me dérange pas, mais ça peut vous déranger. Dites-moi, prison à ciel ouvert. On a déjà des vêtements avec des LED qui empêchent les optiques de capter quoi que ce soit. C'est la fin de beaucoup de choses à venir. C'est la fin des détectives privés. Pareil, d'accord. Bonjour Pierre. Alors, Clearview dispose d'un avantage concurrentiel exceptionnel. Son application peut, en théorie, identifier une personne, même si elle porte un chapeau ou des lunettes, quel que soit l'angle de la prise de vue. Voilà. Et on a même parlé de cagoule. Je sais plus si je revois la cagoule. Là, Clearview compile aussi des images de personnes sans casier judiciaire. Elle permet de retrouver des criminels en tout genre, du voleur de magasin filmé par un passant.